Pu Songling, Les contes extraordinaires du pavillon du loisir. Histoire numéro 18. Le python blessé. Village de champs des Roux. Les deux frères Roux s'étaient engagés au fond d'une vallée écartée pour ramasser du bois à brûler. Ils tombèrent sur un énorme python. L'aîné, qui marchait en avant, fut englouti. Le premier mouvement du cadet, terrifié, fut la fuite. Mais la vue de son frère serré dans la gueule de la bête le mit dans un tel état de fureur qu'il brandit sa hache et l'asséna sur le crâne du serpent. Bien qu'atteint à la tête, celui-ci continuait à l'avaler. Le chef du frère avait disparu, mais heureusement, l'animal ne parvenait pas à l'engloutir. Les épaules ne passaient pas. Ne sachant que faire d'autre dans la précipitation de ce moment critique, le cadet lui saisit les pieds des deux mains et le disputa avec acharnement au python. Il finit par réussir à tirer son frère hors de la gueule de la bête blessée qui déguerpit en proie à la douleur. Examinant son aîné, il le trouva à son dernier souffle, les oreilles et le nez complètement dissous. Il le hissa sur ses épaules et ne parvint chez lui qu'après avoir dû s'arrêter en chemin une dizaine de fois. La victime ne se remit qu'au bout de 6 mois de traitement attentif. Encore aujourd'hui, son visage n'est plus que cicatrice. À l'endroit des oreilles et du nez ne subsistent que des trous. Pensez donc que chez de simples paysans l'on trouve pareil dévouement fraternel. Si le python ne l'a oxy, c'est qu'il a été touché par si noble vertu, a-t-on pu dire. Assurément.